Fort de leur succès en championnat face à Saint-Étienne, les Monégasques vont jouer leur cinquième match en l'espace de 15 jours. Invaincus depuis 5 rencontres en Ligue 1, leur dernière défaite remonte au 7 novembre dernier. C'était face à Bordeaux. Depuis, les joueurs de Leonardo Jardim ont pu tirer les leçons de ce revers. Et pour ce match, le coach monégasque va faire tourner son effectif. Après l'élimination de la Ligue Europe, peut-être jouer la Coupe, nous avons la possibilité de faire tourner l'équipe, nous avons la possibilité de donner plus d'opportunités à les jeunes qui restent ici. Et pour ça, toujours, je crois que c'est un avantage. Quelques jours après sa première titularisation officielle avec l'AS Monaco, Paul Nardi gardera une nouvelle fois les buts des Rouges et Blancs mercredi. Le gardien des Espoirs prépare ce match contre les Girondins avec sérénité. Chaque match a sa vérité et on verra mercredi ce qui se passera et on pensera qu'à une chose, c'est la qualification. J'essaie de travailler toutes les semaines, travailler fort pour être prêt s'il y a un problème. Donc voilà, c'est vraiment toujours travailler et le jour où on fait appel à... faut être présent tout simplement. La saison dernière, l'AS Monaco avait chuté aux portes de la finale de la Coupe de la Ligue en s'inclinant au tir au but face à Bastia. Même si la priorité est donnée au championnat, les Monégasques comptent bien aller le plus loin possible dans cette compétition. Bordeaux-Monaco, c'est mercredi à 17h au Matmut Atlantique.